Coucou mes stars! Aujourd'hui on se connecte sur Brookhaven RP et mon homme de ménage va m'offrir une maison avec piscine. Avant de commencer la vidéo, on va faire un challenge. Comme vous êtes des superstars, je vous donne le challenge de vous abonner et liker en 2 secondes. C'est parti mes stars! 1, 2, merci à vous l'équipe! Mes stars, je suis de retour avec avec la dépressive. Va falloir quand même me trouver un prénom à celle-là. Je sais pas comment je vais l'appeler. Parce que bon, on a Alfonso, mais elle, je sais pas comment je peux l'appeler. Aidez-moi s'il vous plaît, mes stars. Dites en commentaire comment vous voulez que je l'appelle et puis je l'appellerai comme ça. Le commentaire qui aura le plus de votes, et ben c'est celui qui aura gagné. Bah j'espère que ce sera pas trop ridicule. En attendant, on va l'appeler Tristana. Comme dans l'autre vidéo, elle va s'appeler Tristana. On va regarder si quelqu'un a besoin d'enfants ou de parents ou de femmes ou même de mari. Je deviens un homme, J'allais dire quelque chose de pas très gentil. Cherche un petit copain et adopte. Bah écoutez, on va se mettre en petite et on va aller se faire adopter. Et vous vous rappelez, la dernière fois, j'ai fait une vidéo dans laquelle, eh bien, j'étais une daronne ultra énervée. Bah là, je vais être une enfant ultra déprimée. Par contre, lui, c'est quoi? Il veut devenir un mari, mais il a 15 ans. Non mais frère, comment ça frère? Mais arrête, non, t'as 15 ans. Non, c'est moi qu'elle va adopter, c'est pas toi. Et vas-y, ouvre-moi la porte, wesh. Pourquoi elle me regarde comme ça? Elle me fait trop peur. J'ai l'impression qu'elle a AFK devant la porte. Mais ouvre-moi! Ouvre-moi! Elle s'appelle comment? Léna! Léna Situation, tu m'ouvres la porte! J'ai trop hâte qu'elle fasse les vlogs d'août. C'est trop un truc que je regarde. Tous les ans, je regarde. Mais ça, elle a ouvert la porte. Bon bah, on va aller chez elle. Bonjour, je suis Tati. Mais elle parle pas. On peut devenir une famille. Ah oui, carrément, on. Ça veut dire qu'en fait, il m'a accepté, lui. Par contre, il a 15 ans, il est plus grand que la daronne. Il est énorme. Le mec presque, il touche sa tête avec le plafond. Ah bah, puis maintenant. Attends, je viens de dire quoi? Il touche sa tête avec le plafond. Bref, vous avez compris, mes stars? Je sais. La vérité, notre daronne, elle est muette. Elle ne parle pas. Maman? Mais je crois qu'elle s'est endormie. C'est pas possible. Pourquoi elle ne répond pas? Mais il y a quelqu'un d'autre dans cette maison. J'entends du bruit. Ça vient d'où? Ça vient d'en haut? Ou ça vient de chez les voisins? Léna, tu es ma... Elle est pas quoi? Ta mère? Oui, c'est ta mère. Mais pas la... Ouais, je suis enfermée. C'est bon, je m'en vais. Parce que de toute manière, elle nous parle pas. Elle nous déteste, en fait. Elle veut pas nous parler. Oh, une petite enfant pauvre. Une petite pauvre. Je lui demande si, effectivement, elle est une petite pauvre. Oh, regardez. Oh, la crasseuse. Oh, my God. Oh, my God, la crasseuse. Merde. Oh, je suis méchante, je suis vilaine. Oh, le karma, je vais me faire karmater. Tu veux être une maman? C'était pas vraiment le but de cette vidéo, mais je préférais qu'on soit sœurs parce que j'en ai marre de jouer les daronnes. Moi, je veux embêter les parents. Ah, il y a le frérot, il s'est ramené. Au pire, il peut pas devenir notre daron, lui. On se fait adopter. Bah, moi, je lui demande s'il veut carrément pas devenir BFF. BFF, non, moi, encore être sœur avec une pauvre, bah, du coup, je l'aurais pas décidé, mais bon, je veux pas devenir amie non plus avec une pauvre. Et abuse pas, hein. Vas-y, on va se faire adopter ici. Mais je veux pas que la petite pauvre, elle se fasse adopter avec nous, hein, parce que si elle veut pas être ma sœur, bah, elle sera pas ma BFF, hein. Bonjour. Tu nous adoptes, s'il te plaît. On est trop gentils, regarde-nous. Wesh, wesh, on s'est fait bannir. Ok, bon, bah, je sais pas, les gens, c'est un peu bizarre quand même. Parce que bon, au lieu de dire juste non et puis on serait allé voir ailleurs, bah, genre, il nous bannit, wesh, non mais lui, il va se calmer. Regardez-moi ça, on dirait il a des pattes de poulet. Il est trop bizarre, lui. Mais il y a une maison plus loin, peut-être que les gens, ils seront plus sympas. Et puis comme ça, eux, ils seront pas dans ma vidéo de star. C'est des méchantes personnes. Cherche pas, c'est des rageuses. Tu es une youtubeuse. Comment ça, connais pas la chaîne? Je dis, c'est Svetlana, comment ça se fait qu'il y a encore des gens sur Brookhaven qui connaissent pas ma chaîne YouTube? Et puis qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils lui tirent dessus? Mais ils sont trop bizarres. Wesh! Mais il va pas bien, lui! Mais il est malade! Attends, ils ont tué une personne. Il y a vraiment une personne qui est morte. Juste là. Ils ont commis un meurtre. Hé! Elle a voulu embarquer la petite pauvre! Trop bizarre. Il est trop bizarre, son skin. Il me fait peur. Laissez-nous tranquille et je travaille chez moi. Venez quand c'est ouvert. Bah, c'est fermé, bah, je viendrai pas quand ce sera ouvert. Mais j'ai grave envie de lui piquer sa voiture. Parce qu'il l'a laissée peut-être. Viens la petite pauvre! Viens! Allez, on y va! On lui a volé sa voiture! Allez, on y va! On va de l'autre côté, peut-être qu'il y a des gens un peu plus sympathiques, mes stars! Enfin, du moins, j'espère! On voit même pas conduire, je suis tellement petite, mes stars! Oh, il y a la grande maison de riche! Elle lui a dit dégage à l'autre! Et vas-y, viens la petite pauvre! Ah, il y a Axel! On va klaxonner pour Axel! Viens, Axel, on va dans la maison de riche! Wesh! On va voir la maison de riche, viens! Il y a peut-être des gens qui sont plus sympathiques! C'est vrai qu'un skateboard, ça va plus vite! Et c'est trop stylé! Oh bah, c'est ouvert! Oh bah, tiens, on rentre! Écoutez, les portes, elles sont ouvertes! Ah bah, c'est ouvert! Bon, bah, écoute, on va choisir nos chambres! On va faire comme si on était chez nous! J'ai vraiment l'impression qu'il y a personne. C'est chez toi.
Oui, c'est chez moi. On fait genre c'est chez moi, mais pas du tout. C'est pas du tout chez moi, mes stars. Je sais pas c'est qui habite ici, mais on va faire genre c'est chez moi. Oh, trop bien. Viens voir, c'est ici ma chambre. Wesh. Alors, comment je vais expliquer? Comment je vais expliquer ça maintenant? Oh, c'est plus ma chambre. Bien. Oula, il se passe des trucs là. On va aller voir. Et je me mets là pour pas qu'il me bannisse. Je veux pas qu'il me bannisse. Wesh. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qui se passe? Parce... Bah, je vais voler sa voiture à lui aussi. Hein. Ah, je vole les voitures à tout le monde, mes stars. À tout le monde. J'ai trop cru que j'étais dans GTA. Dinguerie. Elle va pas vite sa voiture. Hein. Je préférais la voiture de sport quand même. Là, c'est pas ouf. On va monter ici. J'ai trop pris la confiance. Je dis, allez les menottes, je vous arrête. Oh, elle a vraiment mis. Wesh. Direction le commissariat, mes stars. Allez, on va au commissariat, petite pauvre. Mais wesh, elle roule pas. Je vais sortir ma propre voiture de police hein, si elle continue. Allez, viens. Viens. Mais tu viens, wesh. Mais c'est trop l'anarchie. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle est en train de tuer notre mère. On va mettre une maison et puis c'est bon. Ils ont gagné. Personne veut de nous. Personne veut nous adopter. Donc je vais devenir une daronne. Ah, elle est contente. Bon, je pense pas qu'elle sera très contente longtemps parce que ben, je suis une daronne ultra... voilà, pas ouf, hein. Pas ouf, la daronne. Je lui dis, tu vas prendre un bain, tu schlingues et on va mettre une petite piscine. Hop, voilà, tu vas dans la piscine. Et toi, tu fais quoi, là? Tu crois que je te vois pas? Tu veux que je te bannis, c'est ça? Ah, ça y est, elle ressemble à quelque chose. Là, j'accepte. Je mets une piscine, elle fait quoi? Elle va carrément dans le bain. Elle prend une douche. Moi, je voulais qu'elle aille dans une piscine bien froide. J'ai marqué quand même sur ma maison que j'adopte. C'est bien, mais la question maintenant, c'est est-ce que tu as fait tes devoirs? Bah non, parce que j'étais pauvre. C'est pas bien, hein, je suis fâchée, hein, tu vas devoir tout rattraper. Hein. Tiens, maintenant, tu apprends sur l'ordinateur et tu rattrapes tous tes devoirs. Je veux pas d'une enfant cancre. Je veux que tu connaisses tout l'alphabet par cœur. C'est bien, révise. Oh, et tiens, je vais rajouter sur la maison, je cherche aussi une femme de ménage. Mais elle a cru que je la voyais pas, elle. Non, mais ça va? Peut-être que je t'ouvre la porte, ça sera plus simple. Tu révises quoi, ma fille? Oh, je me prends trop pour une daronne. Hein. La vérité, regardez, j'ai pas trop la dégaine. Maman, j'ai fini mes devoirs. Va te mettre en pyjama le temps que je prépare à manger. Wesh, c'est peut-être... Wesh, qu'est-ce qu'il y a une piscine qui a spawn, là? C'est un mec de la police, ça y est, ils m'ont enfin retrouvé après toutes ces arnaques que j'ai fait. Oh my god, ils vont m'emmener au poste. La dernière fois, j'ai jeté mon déchet à côté de la poubelle. Ils sont venus me chercher pour ça. Bon, si je viens là et que tu me parles pas, moi je repars. Allez. Et j'ai pas ton temps, hein. Oh. Je me calme. Ouais, c'est ça, retourne-toi, hein. Bonjour. Oui, qu'est-ce que tu veux? Je suis l'homme de ménage et chauffeur de limousine. Oh, j'ai un homme de ménage, mes stars. Vous allez pouvoir commencer. Il s'appelle Kevin. Ma fille a mis des chocolatis partout. Faut tout nettoyer. Je sais même pas comment mes filles s'appellent, donc je vais quand même leur demander. Maman, c'est qui, eux? Ok, ils sont où tous les chocapics? Maïva, Eliana. Je vais essayer de retenir. Eliana, c'est toi. Comment ça, genre, ils se connaissent? Mais non, attends, c'est l'autre, c'est Maïva et c'est toi, Eliana. Wesh, c'est Inception ici. Non, ça, je dois le mettre ici. Voilà, comme ça, ça fait genre, c'est en train de cuire. On va mettre un zombie sur la table. On va manger un humain aujourd'hui. Au menu, c'est un humain. Mais je vais faire genre, on mange du bœuf. Avant maman. Comment ça, avant maman? Wesh, elle a disparu. Ah, c'est la limousine. C'est la limousine. Ah, c'est parfait. Bon, elle est pas rose, mais j'accepte. Je suis pas sur le compte à Svetlana, donc... Je joue un autre personnage. Mais bon, ça me démange quand même que ce soit pas rose, mais je vais faire avec. J'ai préparé la limousine, madame. Maman, tu peux m'ajouter. Je vais l'ajouter. Et je vais ajouter Kevin aussi. Capitaine Kevin, on va l'ajouter aussi. On va manger au resto. Kevin, préparez la voiture. Oh, comment que je parle? Oh, il passe vraiment l'aspirateur partout sous les escaliers et tout. Oh. Allez, on y va. Viens, ma fille. Voilà. Au resto, Kevin, je vous prie. Et plus vite que ça, wesh, mais c'est pas du tout par là, le resto. On est en train de se faire kidnapper, mes stars. Je sais pas ce qui se passe. Il va où? Il part totalement aux cacahuètes. Au tacos? Oui, au tacos, c'est très bien. Sans faire exprès, j'ai décliné. C'est vrai que je suis obligée d'aller sur le truc du Roblox pour pouvoir l'ajouter. Bah, on va faire ça. Voilà, madame. Il est en train de détruire la limousine. Il va se calmer, lui. On va faire comme si on n'avait rien vu. Je peux poser une maison de luxe si vous voulez. Ah oui, ça serait une bonne idée, ça. Hein. Après manger, on déménage. Parce que, quand même, notre homme de ménage slash chauffeur de limousine va nous payer notre maison. Si ça, c'est pas beau. J'ai la salle. Quoi? De quoi est-ce qu'elle parle? Je rêve, il y a un bateau là-haut. C'est normal, ça? Non, c'est pas un bateau. Attendez, mais je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre les jumelles. Ma nouvelle passion, mes stars. Oh, ils font vraiment un piggy. Mes stars, je les vois parler en anglais dans le chat. Et en fait, ils sont en train de préparer un piggy. Allez, on y va. On a changé de voiture. C'est pas grave, c'est très bien celle-là aussi.
Et c'est une belle voiture en blanche celle-là en vrai. Hein. Franchement, moi de base, je les aime pas cette voiture. Je la trouve moche. Elle est vraiment très moche. Il fait chaud, c'est pour ça que j'ai changé de voiture. Non, c'est très bien. C'est très bien, Kevin. C'est bien. Vous prenez de bonnes initiatives. Là, par contre, il y a un accident. Là, il y a constat. Ah, mais je croyais qu'on déménageait, non? Nous sommes arrivés à destination. On va changer de maison. Ok, allons-y. Il aurait pu nous emmener directement. Allez, tous dans la voiture. Allez, ça y est, on est reparti. Ah non, moi, je conduis pas. Hein. Moi, je suis... Moi, on me conduit. Hein. C'est parti. Ah, mais moi, je pensais qu'il parlait de la grande maison sur la colline. Mais pas du tout. Mais en vrai, c'est vrai que la maison, elle est belle. Elle est belle, celle-là. Regardez, il y a même un lion en statue à l'intérieur. Il est trop beau, ce lion. Avec piscine. Bien évidemment. Bien sûr, Kevin, avec piscine. Mais quelle question. Mais elle est où, la piscine, en fait? On va leur dire bonjour. Wesh, à quel moment tu voles ma fille? Wesh, rends-moi ma fille. C'est bon, madame. Ah, mais c'est là, ça remplace du coup le truc. Ah, wesh, mais je savais pas. Mais je suis en train de me dire, mais il va la mettre où la piscine? Je crois que ma fille, elle va se noyer. Je sais même pas si elle sait nager. Tu nages bien, ma petite chérie, ma petite fille d'amour. Non, elle se noie pas. Bon, bah zut alors. Vous, je crois. Il dit bien à ma fille. Qu'est-ce qu'il va faire avec ma fille? Tu peux sauter. Wesh. Ah, ouais. Ah, ouais, trop bien. Moi, je savais pas qu'on pouvait sauter des escaliers et tout. C'est trop bien. Bon, c'est un petit peu dangereux quand même, hein. Je tiens à dire quand même que l'homme de ménage, il essaie d'assassiner ma fille, mais c'est pas grave. Elle est bien, la piscine, je trouve. Mais elle est trop bien. Elle est géniale, la piscine. Je vais aller dire bonjour aux voisins pour faire connaissance. Mais bien évidemment, c'est juste pour... Ah, mais il me faut être coloc. Mets-moi coloc, Kevin. Wesh, il a sauté, il a fait une pirouette arrière. Attends, je vais essayer de reproduire ce qui s'est passé. Il a fait... Je me suis un petit peu ratée, par contre. On va retenter le coup. Regardez mes stars. Il faut faire... On se met bien là et on fait un retour arrière. Regardez. Mais c'est trop bien. Je vais essayer de faire autre chose. Regardez, on va regarder de ce côté-ci et on va faire le hit. Ouah, c'était trop drôle. Regarde Maeva, regarde bien. Allez Kevin, on te regarde tous. Et regardez Maeva, elle essaie de faire la même chose que moi. Allez, je la pousse. Je l'ai poussée. Elle a pas monté parce qu'elle a pas changé d'animation. On est des enfants. Wesh, elle a même pas monté. On essaie des trucs trop drôles. Y'a quoi qu'on peut faire? C'est quoi ça? Les danses, c'est pas ouf. Ah bah si, la danse 10, regardez mes stars. Ça fait genre, je fais une toupie sur moi-même. Regardez, la danse numéro 10. Wouh! On fait, regardez, je fais des pirouettes sous l'eau. Wesh, regardez. Et franchement, je pourrais faire de la danse artistique sous l'eau. Je sais pas comment ça s'appelle, de la danse aquatique. Et franchement, je gagne tous les concours. Hein. Et pourquoi il a enlevé, il a remis la piscine? Il veut tuer des gens, lui. Il veut tuer des gens. Wesh, il a enfermé ma fille dedans. Mais c'est un gros malade, Kevin. Il a voulu tuer ma fille, ça va pas, Kevin. On va aller voir les voisins, on va leur dire bonjour et on va leur demander s'ils veulent prendre le repas chez nous. On les invite. Oh, c'est la première fois que j'ai invité des gens. Ouvre la porte. C'est l'invitation solennelle à venir dîner avec nous. Un repas que je ne ferai pas, que je demanderai à notre homme de ménage de faire. Ils sont pas là, les voisins. Ah si, ils sont là. Et je te vois, hein. Je te vois. Bonjour, c'est la voisine. On vous invite à manger chez vous. Alors, je dis, on vous invite, mais on sait même pas c'est qui. Wesh, what do you want? Elle parle anglais. I don't speak your way. C'était rapide. Ok, bye. Wesh, nos voisins, ils parlent même pas français, quoi. C'est quoi, ça? C'est quoi, ça? Wesh, pourquoi t'as enlevé la maison? Pourquoi j'ai entendu quelqu'un qui s'est fait ban? Ah, ok, bon, bah, on a perdu notre majordome, là. Mais il est revenu. Mes stars, cette vidéo, elle était pas super ouf. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas rencontré des gens qui avaient envie de RP drôle avec nous et tout. Les gens se déconnectaient, ils nous bannissaient et puis on a essayé d'inviter des voisins qui sont même pas français. J'espère quand même que cette petite vidéo elle vous aura quand même diverti. La bise.